Thank you. Attends, on prendra après. Ok, d'accord. On va poser les sacs, comme ça on est plus tranquille. Hop! Je vais t'enlever! Ouais. Ouais. Alors, je vais manger maintenant, moi! Ça va! Waouh! Wow. Refais le tour sur la veste parce que. Non! Oh, ça va, là! Fatigué, ça monte! Oui. Oh, God! C'est des danses. C'est long life. Ça c'est pour les troisième édition du festival Ciné Corona. Je m'appelle William et je suis en compagnie de Thibaut. Nous allons vous remettre tout simplement les prix aux participants juste ici. Les enfants et les plus grands. Je suis ravi d'être président du jury de cette troisième édition du festival, festival de court-métrage francophone. Ce que je voulais aussi dire, c'est que je suis vraiment impressionné par la qualité, la grande qualité des films qui nous sont parvenus. Il y en a, je crois, si je ne me trompe pas, 120 qui sont arrivés, ou un peu plus. Et puis, toute dernière chose, eh bien, vous tous, bravo à tous ceux qui ont participé, élèves comme enseignants. Je sais ô combien qu'il est difficile de mener à bout ce genre de projet, donc bravo à tout le monde. Et puis voilà, vous êtes tout jeune, mais vous avez déjà un début de carrière cinématographique, donc j'espère qu'elle pourra continuer bien plus tard encore. Merci à tous. On a aussi des délégations de Varsovie, une délégation de Varsovie. Deux enseignants sont présents dans la salle, donc je vous demande aussi de les applaudir. Délégation de Vilnius. Avec les représentants de l'atelier vidéo. Donc, derniers applaudissements. Les nominés dans la catégorie documentaire sont le système solaire classe de 6e A du lycée français de Porto, Portugal. Les ateliers numériques classe de CM2 du lycée français Jean Monnet de Bruxelles, Belgique.
le JT du lycée français international français de Vilnius-Lituanie. Si tous les enfants du monde par l'atelier Ciné-Club du lycée français deviennent autruche, attribue. Enquête sur 70 ans de récréation CE1 et CE2 du lycée français Van Gogh de la Haye, Pays-Bas. Regardons des extraits de ces films. Une histoire qui se passe en 2018, lors des 70 ans du lycée Vincent Van Gogh de La Haye aux Pays-Bas. Des enfants jouent dans la cour quand ? C'est quoi ça ? On dirait du métal. C'est une boîte. Vas-y, sors-la. Dans notre classe, nous faisons des ateliers numériques. It's really cool and we learn lots of interesting things. C'est quoi l'harcèlement ? L'harcèlement, c'est quand les gens commencent à se moquer des autres. Des gens qui sont différents, plus petits, et le plus souvent, c'est les plus grands qui le font. Un autre phénomène répétitif et observable. Quand on regarde le ciel, on peut voir la Lune de différentes façons. Mais en vrai, la Lune ne change ni de taille ni de forme. Les différentes faces de la Lune sont... Enquête sur 70 ans récréés par les lycées français de La Haye, Pays-Bas. Fille ou garçon des cités du lycée français de Varsovie. Ah, c'est le parti de danse. Ah, là. Ah, c'est ça, toi. Attends, pareil.
Non, c'est pas un Titanic, mais c'est comme le Titanic. Ça, c'est énorme, mais où est-ce qu'on va? À Vénus. T'es sûr? Oui. Aux îles Canaries.
Ah,